Good morning, allez, Iden, les Suisses, aujourd'hui, le Mishmat Rishaoun, Ben Fortuné Mazal, et Claude Israël, Ben Fortuné Mazal. Si vous souhaitez vous aussi aider une prochaine étude de Mishnah, quand il y a des 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Ta'anit, Perek Bet, Mishnah Gimel, Ve Elouen, Zichronot, Ve Shofarot, El Hashem Betzarat Ali, Karati Vaya Neni, Ve Saina Yale Arim Ma'en Yabu Ezri, Mima Makim Karati Ha Hashem, Tefila Lani Kiya Tof, Rabbi Yehuda Omer, lo haya tzech lomar zichronot veshofarot, elo omer tartehen, rav ki e baaretz dever ki e baaretz. Asher haya dvar Hashem nirmiyahu al divra betzarot, lomer chot mehen. On étudie dans notre Mishnah le contenu de la tfila particulière qui priait durant la dernière série de cette jeûne, soit après que la pluie n'est toujours pas tombée. Il y avait un premier jeûne, que c'était les Talmid Chachamim qui jeûnaient, après un jeûne, trois jeûnes, chaque fois, d'accord, trois jeûnes ensuite, c'était le peuple, mais c'est un jeûne light, cool, ça démarre le petit matin, il y avait toutes sortes de choses permises. Après, il y avait trois jeûnes qui étaient plus complexes, alors après, on entamait, on était parti pour sept jeûnes d'affilée, lundi, jeudi, où il y avait des tfilotes particulières. Et on avait évoqué dans la mission précédente, qui avait en réalité 24 brachot au total. Soit en fait, puisqu'on a 18 d'habitude, laissez tomber la minime, la machine, c'est la 19e, on la comptabilise pas tout le temps. Donc en fait, il y a 18 brachot, là on a fait 24, il fallait rajouter 6 prières, 6 tfilotes, 6 prières particulières. Ce qu'on va voir maintenant dans notre Mishnah, c'est que pour rajouter ces 6 prières, il y avait 7 textes. Il y a un petit problème, on va expliquer ensuite pourquoi. D'abord, on commence à traduire donc. En fait, ça se passe comment? C'est comme au jour de jeûne. Aujourd'hui, à notre époque, où le Chaliar Tzibour va dire juste « Amenez-nous » après la bracha de Ré'e, eh bien, à l'époque où ils avaient l'usage, le rituel de faire tous ces jeûnes-là, eh bien, pour la bracha de Ré'e, alors il fallait déjà rajouter un petit paragraphe, c'est ce qu'on va voir tout de suite, on faisait la bracha ensuite, « Baruchot HaShem » et Goël Israël, on signait Aonel Israël et Sarah, et puis après, on va voir toutes les signatures, en fait, des brachot, on va voir dans la prochaine Mishnah, et puis après, on commençait à entamer 6 brachot, nosafot, en plus à cet endroit-là, et puis après, on continue Refaïn. D'accord? Maintenant, quels sont les 7 textes, en fait, à ajouter? Alors, le premier, d'abord, c'est Zichronot. C'est les mêmes psukim, exactement les mêmes psukim qu'il y a dans la mina du Moussaf de Shedor Shana. Et les Zichronot, là-bas, on évoque le fait qu'Hachem, il se souvient de ses créatures. Après, dans la bracha, une fois qu'on a fini, on a bouclé la bracha de Ré'e qui a changé à cause du jeûne, eh bien, on va passer à la bracha de... On va commencer maintenant par faire une deuxième série de brachot avec les Shofarot. C'est aussi, comme la partie dans le Moussaf de Rosh Hashana, Atanegleta Banan Kevodecha, où on raconte toutes les fois où Hachem s'est dévoilé grâce au chauffage, en priant pour qu'il dévoile prochainement le chauffard, excusez-moi. D'accord. Ensuite, ça c'était la deuxième. Après, la troisième, c'est El Hachem Betzarat Ali Karati Vaya Neni. Alors là, ça se trouve dans le Teilim Kufraf. Et ça veut dire quoi? Alors de nouveau, c'est un texte où on dit Hachem que. Betzarat Ali, au moment où j'étais en tsara, en malheur, eh bien, Karati Vaya Neni, j'ai appelé et il m'a répondu. Donc nous aussi, on nous l'appelons aujourd'hui pour qu'il nous donne la pluie et on espère qu'il va nous répondre. Ensuite, il y a Essa Enayel Heharim Me Aini Avo Izri. Là, c'est connu qu'il lève, je lève mes yeux vers les montagnes. C'est Koufra Falef cette fois-ci. Et je lève les yeux vers les montagnes, d'où va me venir l'aide d'Hachem. Après, il y a le Pasouk. Le pasouk de Mimamakim Kiratir Hashem, d'accord? Mimamakim Kiratir Hashem, c'est celui qu'on lit à Seret Yom Tshuva aussi, et c'est Siman Kouf, dans le Teilim Kouf Lamed. Donc, Mimamakim Kiratir Hashem, depuis les profondeurs, de là où je suis en difficulté, eh bien, je t'ai appelé à toi, Hashem. Après, on continuait avec la dernière, c'était Tefela Lani Ki Atof, Defina Hashem Ishpor Sicho. Telle est la bracha du Ani, quand il va se. Qui atof, c'est quand il va se renfermer sur lui-même parce qu'il est en misère. Voilà pour les 6 textes, ou 7 textes qu'on rajoute pour les 6 brachot supplémentaires.
D'accord? Il y a Rabbi Yehuda Omer, Lo haya tzerch lomar zichronot veshofarot. Il n'y avait pas lieu de dire. Faut traduire comme ça. Il n'y avait pas lieu de dire zichronot veshofarot parce qu'il pense Rabbi Yehuda que zichronot veshofarot c'est spécifique à Rosh Hashanah uniquement et pas nulle part ailleurs. Mais alors quoi? Alors qu'est-ce qu'il fallait dire à la place? Et là, Tarté, et l'honneur Tarté, mais plutôt il fallait dire à leur place, Ra'av ki yé ba'aretz, lorsque c'est un texte, c'est aussi dans la bracha de, dans la tfila de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a fait une très grande tfila lorsqu'il a fini de construire le Beit HaMikdash, il a prié Hachem pour que les portes elles soient toujours ouvertes pour notre bien, que notre tfila soit acceptée par l'intermédiaire lorsqu'on va au Beit HaMikdash, même les goyim d'ailleurs. Et puis, donc là, de nouveau, alors on va mentionner toute la tuile de Shlomo HaMelech, on va mentionner par exemple Dever ki yevaretz. Un homme, Dever ki yevaretz, ça nous fait. J'ai perdu ma ligne. Rav ki yevaretz, Dever ki yevaretz. Shlomo HaMelech, excusez-moi. Shlomo HaMelech, lorsqu'il a fini de construire le Beit HaMikdash, il a fait une tfila où il a prié Hachem que toutes les vêtements devront être reçues là-bas, et puis il a prié que lorsqu'il y aura un Ra'av qui est Baretz, Dever qui est Baretz, Ra'av qui est Baretz, ça veut dire que lorsqu'il y aura la famine, et Dever qui est Baretz, lorsqu'il y aura des épidémies. D'accord? Et puis après, donc ça, il le dit en une seule bracha, c'est le même paragraphe de Shlomo HaMelech, dans le domaine Achim, et puis après, il continue avec la dernière bracha, avec la deuxième bracha plutôt, ce sera Asher ayat var Hashem en Yirmiyahu al divrei abetzarot, abatzarot. C'est cette fois-ci, c'est un extrait de la paracha de l'Aftar de Yirmiyahu là-bas, où il y a, du livre de Yirmiyahu, où là-bas il y a marqué que qu'Hachem s'est dévoilé à Yirmiyahu pour lui l'avertir des famines qu'elle a à voir. D'accord? Et puis, après chacune des brachot supplémentaires, eh bien, Veomer chot me'en, il conclura la bracha, soit toute bracha que l'on fait, elle doit avoir nécessairement, comme dans l'Amida, il y a un petit texte, puis après ça se conclut avec une khatima, Baruch Ata Hashem, Goel Israël, Rofe Chol Cholam Israël, et bien ça c'est la khatima, et là de nouveau, je te dis de rajouter des textes, et chaque bracha que tu vas rajouter, elle devrait être conclue avec une bracha particulière, que nous verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine, Hatzlacha Kol Tov, Salam.